right away and let's organize, start the official session. Warm welcome from the, on behalf of FAO, the partners to the Global Peatlands Initiative, the GPI, as we call it, or INT in French, together with Russell Meyer Center and the UN Environment Program. We are organizing this session, second session on the mapping. It's part of course, of the larger sequence of workshops that we started earlier this year in close collaboration with the Ministry of Environment and Sustainable Development of the Republic Democratic of the Congo, and with the kind collaboration and partnership together with the SWAMP project partners, US Forest Service and C4, who are generously funded by USAID. And just to complement from our side, the Global Peatlands Initiative project is of course funded, and we are very grateful for the funding from the German Ministry of Environment, Environment and Nuclear Safety, the BMUB, who is funding out these activities through the IKI Fund, the German Climate Initiative. I think that's from our side. I just hand over then to Laura for the introduction of today's session. Thank you. Thank you, Maria. I will briefly present the agenda for today's session. We will start the session with Dr. Alexandra Bartelmes from the Greifswald Meyer Center. She will present with a presentation on the general rules and the stages of development of peatlands in the region, which will give us a theoretical basis for starting our journey through peatland mapping. Then we will have the time to pose some questions, and then we will pass on to the presentation by Mr. Mbati. He comes from the Republic of Congo, and he is an expert on work on the field, on NFI, and he will be supporting us with the basics for developing fieldwork for peatland mapping, and also will be accompanying the field mission on the field. Then we will have also a time for posing questions, and we will show some videos to demonstrate the way that the fieldwork for peatland mapping is done. And we will also have time to do a practical exercise led by Felix Baer from the Greifswald Meyer Center. He will explain some techniques to plan the field work for peatland mapping. And finally, we will explain the homework for you to practice at home before the next session. And at the end, we will have another round of questions and a summary of the event. So basically, this session, its objective is to strengthen capacities to identify the characteristics of peatlands in the region and the conditions for their formation. This will be an important theoretical basis to use this criteria for peatland mapping in the following sessions. And also in this session, well, we will also discuss how to design and implement a field study for peatland mapping. So without further ado, I will leave you with Alexandra Bartelmes, Dr. Alexandra Bartelmes. She will talk about the ecological views of peatlands, the conditions of their formation, some definitions, and also types of peatlands in the DRC. So Alexandra, the floor is yours. Thank you. Okay, one quick moment. Laura
Laura, I would need to ask you to, if you could swap to the French version and record to the cloud or locally record to your computer. For some reason, it doesn't work for me, probably as I am the host now. But I think all is fine. Yes, indeed. Great. Handing over to you, Alexandra. Thank you. Hello, everybody. Thank you, Laura, for the introduction. So I would just start. What is special about peatlands? In living peatlands, the production exceeds the decay, peat accumulates, and thus the carbon balance is positive. Peatlands are the most space-affected carbon stocks of all terrestrial ecosystems. And the peat accumulates because of water saturation. So peatlands are wetlands, and more than 50% of all wetlands are peatlands. Peatlands are found in almost every country of the world. And the terms and definition for peat and peatlands vary strongly with country and scientific discipline. So peatlands have been defined as having peat layers reaching from 20 to up to 100 centimeter thickness across the globe, and also minimum contents of organic matter of this peat varies considerably. In soil science, peatlands are grouped in organic soils or histosoils. All peatland soils fit into the definition of histosoils, while the concept of histosoils also includes shallower organic soils and soils with less organic matter. If it comes to greenhouse gas reporting to UNFCCC, the IPCC has defined the organic soils as having at least 12 to 18% of organic carbon. But the IPCC has not set the criterion for minimum thickness of the organic layer. This allows actually the countries to use their country-specific definitions and data they already have that are often historically determined and grown. For countries without such definitions, it might be a good option to adapt regional available definitions, for example, from neighboring countries, or at best, agree on a multi-country scale in the region. Peatland topologies. So there are many different ways of classifying peatlands depending on the aim of classification. Often there is referred to an ecological Maya typology that often deals with nutrients and pH. And also widely known concept is the typology of hydrogenetic Maya typology that deals with hydrological aspects of peat formation. So there are, quite simple, the most basic peatland types, the dome-shaped peatlands, to which also many peats from forest belong, that are only fed by precipitation. So they also only thrive on rainwater. The opposite are the peatlands that occur in depressions, valleys, and floodplains. They also get water from they also are fed by rain, but they mostly are fed by groundwater. So this affects, it makes a big difference in the ecology and also a hydrogenetical difference between these two basic peatland types. La précipitation et aussi donc l'eau donc dans la nappe, et donc ça fait, donc ce sont les deux types de base, si vous voulez, et donc ils sont aussi importants si donc on parle de la cartographie des tourbières. Et donc si on parle de la topographie, si on a une forme de dôme ou bien dans les dépressions et les vallées, donc, enfin, c'est une caractéristique qui est clé dans la cartographie.
Et donc, il y a beaucoup de des modèles d'élévation numérique qu'on peut utiliser. Et donc, nous, on peut utiliser pendant cette session, par exemple, ce qui est très disponible. Et donc, en ce qui concerne donc, le modèle d'élévation, c'est ALOS World. Et donc, il va nous donner une résolution de 30 mètres. Et donc, il y a aussi l'exemple du lac Maïndombe dans cette région. Mais si on regarde l'image satellite, ça nous montre, par exemple, une banquette perte, rien de plus. Mais par exemple, côté gauche, vous avez par exemple, dans les dépressions, les vallées, pendant que le côté droite, donc dans le cadre bleu, vous pouvez voir que les tourbières, elles sont donc à travers une très grande zone, et donc ça inclut les forêts marécageuses. Donc, d'autres caractéristiques de tourbières pour la cartographie, donc c'est la végétation. Donc, la végétation naturelle, donc dans les tourbières tropiques, inclut des arbres de bois durs, des palmiers, des mangroves, des sedges, des graminées, des mousses et d'autres éléments de fleurs. Et donc, on voit les photos qui viennent dans des photos de Tanzanie et Ouganda. Donc, ça donne une idée à quoi ça ressemble, ces tourbières. Aujourd'hui, la végétation de tourbières devient de plus en plus subit la décroissance à cause du drainage, déforestation et le brûlage pour des utilisations diverses. Et donc, des caractéristiques principales qui viennent de la végétation sont perdues. Donc, la sorte de cartographie de ces tourbières dépend, par exemple, donc de la disponibilité des informations, l'objectif de la cartographie, et donc l'échelle qui est ciblée, et donc les compétences météorologiques de celui qui fait les cartes, et aussi les financements disponibles, et le temps que vous avez disponible. Et donc ici, bon, vous pouvez voir donc la diversité où vous pouvez créer la cartographie de vos tourbières, ça peut être 1 à 50 000 ou 1 à 5 millions. Et donc, ça va jusqu'à même plus de 5 millions sur un niveau continental. Et donc, il y a différents cas où vous pouvez commencer par la cartographie des tourbières. Si, par exemple, il n'y a aucune information disponible et donc vous n'avez pas une bonne identité de tourbière ou une définition ou une probabilité, vous pouvez utiliser des suppositions et donc vous pouvez essayer d'identifier des zones potentielles. Et donc on a développé une approche depuis un an qui a été utilisée par le Griffith Wild Myers Center et donc appliqué à la République du Congo et aussi à la République démocratique du Congo. Et donc, on va expliquer comment ça a été fait, justement. Alors, donc, si vous avez des informations disponibles, mais bon, maintenant, votre résolution est très basse, vous pouvez utiliser une variété de télédétection qui va être amélioré au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de satellites qui sont disponibles. Et vous pouvez aussi utiliser aussi Google Earth Engine, aussi l'apprentissage par les machines. Et donc, nous allons parler de cela avec ma collègue de la FAO dans les sessions 4 et 5. Et donc, une autre possibilité, donc si vous avez une bonne idée de la localisation de votre tourbière, mais bon, évidemment, vous aurez besoin de cartographier avec une très haute résolution. Donc, vous aurez besoin d'y aller, peut-être sur le terrain,
donc pour essayer d'avoir beaucoup plus de détails. Et donc, vous pouvez donc manuellement essayer de définir ces tourbières. Et donc, vous pouvez ajouter à cela des images par satellite et aussi le SIG. Et donc, il y a aussi autre chose que vous pouvez utiliser, ce que nous utilisons souvent avec nos cartes. Et donc, c'est le basé par les experts. Et donc, on applique les paysages et donc toutes les connaissances écologiques pour intégrer donc les données diversifiées et manuellement déligner donc les tourbières. Et donc, c'est quand on a, par exemple, une zone qui est ciblée, par exemple, autour du lac Victoria, et on est allé sur place, et donc on a vu que la cartographie qu'on avait créée, basée sur beaucoup de diverses données, on avait beaucoup réussi, et donc, il y avait des endroits où on a dit, il doit y avoir des tourbières, il y en avait, effectivement. Et donc, c'était une réussite. Et donc, ces cartes basées sur les experts, et donc, on a appliqué ça aussi au bassin du Congo, et principalement, donc, en utilisant des cartes anciennes sur le sol, la pédologie, et aussi des informations auxiliaires. Alors ici, à droite, vous voyez la couverture, et donc, la couverture, donc, pédologie. Et donc, vous voyez qu'il y a une très basse résolution et donc haute résolution et donc incorporée ensemble. Alors, en plus, pendant ce travail, donc vous voulez voir dans la couleur rouge foncé que vous voyez dans une cuvette ici. Donc, vous voyez le cépole. Donc, que c'est dans, à travers les tropiques et donc dans la couleur orange aussi. Là, nous avons analysé donc les cartes anciennes et donc là, nous avons pu identifier les tourbières et puis on l'a mis ensemble avec les images qui viennent des satellites. Et donc, ces cartes avec haute résolution et donc on a mis l'accent sur des régions où on pense qu'il y a probablement des tourbières. Donc, toutes les données qu'on a pu obtenir ont été intégrées pour avoir une image beaucoup plus entière dans la zone élargie du bassin du Congo. Et donc, on voit que c'est ou bien les tourbières sont sur les plaines où on a une accumulation d'eau et vous pouvez la voir sur la carte, ou bien vous avez aussi des altitudes plus élevées autour du rift d'Alberta et aussi sur le plateau Batéki avec de plus grandes précipitations et de plus basses températures. Et donc, vous pouvez voir aussi que les forêts marécageuses donc, prospèrent principalement quand il y a donc, une forêt humide tropicale et aussi donc, des moussons donc, dans cette zone. Alors, quand vous avez l'intégration de toutes les informations, ça a mené à la proposition de 5 zones tourbières provisoires que vous pouvez voir dans la carte. Alors, numéro 1, il est divisé en 3 zones, 1A, B, C, et donc vous avez donc le bassin du Congo, et donc vous avez le côté est, et donc c'est les terrains bas. Et ensuite, vous avez en République du Congo, vous avez aussi une indication par le taux pédologie qu'il y a des tourbières. Et donc ici, donc, vous avez donc, le terrain bas et donc dans le nord-ouest. Ah, vous n'avez que 2 minutes. Oh non. Oh. Donc, nous sommes sûrs aussi qu'il y a beaucoup de tourbières dans ce climat tropique qui doivent être compris, mieux compris. Et donc, les régions des tourbières
dans le bassin du Congo et sur le plateau Bateki, on pense qu'il y a des tourbières. C'est souvent dans la forêt et donc parfois dans les zones ouvertes. Et donc, avec une certaine végétation sur les zones ouvertes dans les savanes. Donc, sur la côte atlantique, donc, il y a potentiellement des mangroves aussi dans les marécages et les marécages côtières aussi. Et donc, on a aussi dans la région de Pointe-Noire. Et donc, aussi le long du rift albertain et le long des frontières entre le Uganda, Rwanda et le Burundi. Et principalement, donc, des tourbières qui sont ouvertes avec, par exemple, des mousses et des sèches, aussi avec une sorte de végétation assez spécifique. Et donc dans la zone de Kahuzi-Biega, et donc les montagnes Bitumba, et donc ce sont dans les zones moins perturbées. Et donc, dernièrement, sur le plateau Katanga, nous avons donc des plaines inondées et donc des lacs, et souvent on a des sols minéraux et organiques qui sont intermêchés, et donc on a souvent qui sont très peu profonds, et souvent donc comme une sorte de tapis flottant, et aussi autour de la ville de Lubumbashi. Et donc, ça traverse donc les vallées et donc même à travers les villes. Et donc, il semble assez souffrir de la décroissance et donc à travers de surexploitation. Alors, donc, je suis désolée que j'ai été trop rapide, mais merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette introduction aux tourbières en Congo, très compréhensive. Et mesdames et messieurs participants, maintenant vous avez la possibilité et l'option de poser des questions. Je vous invite d'utiliser pour ça le fenêtre de réponse, question-réponse que vous trouvez en bas. C'est le deuxième symbole de la gauche. Pour poser vos questions ou signaler quand vous voudriez parler. Félix, nous avons un main levée, Naya Mankuni. Ah bon, merci. Non. Il y avait une main levée. jusqu'à maintenant, on n'a pas encore des questions pour le moment. Je crois que c'était un grand nombre d'informations et éventuellement aussi des informations nouvelles sur les locations et la distribution des tourbières au Congo. Si vous n'avez pas des questions dans le moment. Félix, Oui, il y a une question dans la question de demande et réponse. Donc, Candy a demandé, y a-t-il une carte, raster ou vecteur téléchargeable des zones de tourbière en RDC? J'imagine que Candy fait la référence à le plan de probabilité que Alexandra vient de présenter. Est-ce que cette carte est disponible à télécharger en ce moment, Alexandra? Thank you for your question. Merci beaucoup pour cette question. Et donc, oui, ces données sont disponibles. La carte, vous pouvez la télécharger. Et donc, c'est la carte concernant la probabilité. Et donc, vous pouvez me contacter. Et donc, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Mais bon, je pourrais les rendre disponibles si vous nous contactez à notre centre Meyer. Et donc, et les autres informations sur les autres régions de tourbière. Et donc, on va les perfectionner un petit peu plus, mais donc, ça va faire partie de tous nos enregistrements pour nos présentations.
Et donc, de mon côté, il n'y a aucun problème pour les partager avec vous. Merci beaucoup. Thank you. Alexandra, avec cette question pour le moment qui a été répondue, je voudrais bien passer à la prochaine présentation qui va être donnée par M. Basile Mpati, qui est ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts. Il est expert en inventaire et aménagement des forêts. Et il est consultant indépendant sur les tourbières. Et il va nous présenter maintenant les points pratiques pour mener un travail aux tourbières sur le terrain. Monsieur Mpati, je vous invite de commencer avec la présentation et j'invite aussi mes collègues de l'organisation de lancer la présentation. Alex, oui. Alex, you can made, you... Yeah, you stop, might stop. Yes. Thank you, Laura. Alex, could you stop sharing a screen, please? Sorry. So, Monsieur Basile Mpati, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je voulais passer la présentation. Je n'ai pas en tête. Donc, voilà. C'est à vous maintenant. OK. Prochain diapo, s'il vous plaît. Bonjour. Chers participants à cet auditoire, et je voulais juste ne plus me présenter puisque les collègues m'ont présenté. On va directement à la présentation de notre travail. Et à l'introduction, je peux dire que l'exposant qui vient de passer a donné une très grande vue de notre tourbière au niveau de la sous-région. Mais je voulais insister que dans le bassin du Congo, c'est la plus grande zone marécageuse tropicale au monde, avec 36 millions d'hectares de zones marécageuses. Et les cartes qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est des cartes de très, très petite échelle. Et nous ne pouvons pas vraiment localiser les tourbières. C'est pour cela que notre présentation aujourd'hui va se baser sur les faits de terrain, comment collecter les échantillons de tourbières pour accompagner les cartes, comment nous allons préserver nos échantillons de tourbes, les conserver, les documenter, et comment les traiter et analyser. Voilà le bien fondé de notre présentation qui se réduit juste aux aspects pratiques. Prochaine. Voilà. Vous avez eu des définitions que la précédente présentatrice a données. J'insiste que la tourbe, c'est une terre, un sol essentiellement organique de 40 cm au moins, avec un taux de matière organique qui varie entre 40 et 60 %, et la teneur en carbone est supérieure à 20 %. Pour distinguer la tourbe, elle peut être fibreuse quand elle est moins décomposée, et surtout la tourbe de surface. Mais quand on va un peu plus en profondeur, on se retrouve avec des tourbes uniques qui sont décomposées moyennement. Et les tourbes qui se présentent sous forme de peur dans des profondeurs qui sont fortement décomposées. C'est pour cela qu'il faut faire très, très, très attention parce que chaque partie de la tourbe peut avoir une densité apparente différente
et des teneurs en carbone différentes, alors qu'on est dans une même carotte. Voilà les images à gauche de notre diapo. Vous verrez la distinction. Par exemple, ce que les diapos, l'image du milieu vous donne ce que nous avons pu prélever autour du village Ipongi dans le bassin du Congo. Et il vous présente différentes pour une carotte. La première vous donne trois colorations distinctes alors qu'on est que dans 50 cm de la carotte de tour. Et la seconde image vous donne une tourbe un peu homogène, pendant que la troisième vous donne des parties minérales qui se mélangent avec les parties de tourbe. Voilà un peu ce qu'on peut trouver sur le terrain. Prochain. On peut passer à la prochaine diapo. On continue, c'est à peu près la même diapo qui vient de passer. On continue. Voilà, comment se préparer pour faire les échantillons de tourbe. Il faut se munir d'un matériel technique bien précis, notamment une pelle qu'on appelle tarière pédologique. Et la boîte de graisse, vous devez avoir des sondes métalliques pour vérifier est-ce qu'en dessous, là où on veut sonder, s'il y a des grosses racines ou pas. Il y a le GPS, le boussole qu'il faut avoir, un décamètre pour mesurer le pas, un couteau et des pommes métalliques pour préserver notre tourbe. Et ça, dans l'image à côté, vous allez voir que il y a tout un ensemble de matériel technique qu'il faut avoir et c'est ce qui est listé là. Il ne faut pas oublier, quand on descend pour prendre des échantillons de tourbe, on peut aller pour ne pas revenir, dormir sur place. Donc, il faudrait préparer un paquetage de camping si on ne peut pas faire un aller-retour et dormir sur place. On peut continuer. Prochain diapo. Alors, j'ai voulu insister sur la manipulation de la pelle ou tarière pour extraire les carottes de tourbe et faire les extractions. En fait, le carottier, la tourbe, le carottier de tourbe, vous voyez dans l'image à côté, c'est un encre avec une navette. C'est ça l'outil principal qui est détaché des manches et de certaines extensions. Alors, comment on le manipule? L'assemblage consiste à unir une des extensions avec la pelle et y ajouter son manche. Et ça, on le fait avec une clé molette pour solidifier les extensions. Et cette opération peut se répéter au fur et à mesure que la tourbe est plus profonde. Une fois que l'emplacement est défini, la vis de la tourbe est insérée dans le sol, de préférence verticalement, pour avoir une vraie profondeur de la tourbe qu'on veut mesurer. Alors, Monsieur Mpati, excusez-moi, est-ce que vous pourriez augmenter un peu votre volume ou vous rapprocher au microphone un petit peu pour alors, mieux vous entendre. Merci. Une fois que cet assemblage est réalisé et qu'on a défini, merci, et que l'emplacement du point où on peut extraire la carotte et trouver, il faut pointer la pelle, la pointe de la pelle au lieu choisi, de préférence verticalement pour en avoir les vraies profondeurs qu'on recherche. Après, il faut tourner
enfoncer la pelle jusqu'au niveau, au premier niveau. Le premier niveau, c'est surtout 50 cm la longueur de la pelle et faire pivoter la manche dans le sens de l'aiguille d'une montre jusqu'à tour complet qui fait environ 180 degrés pour avoir à éliminer toutes les extensions de racines et autres brindilles qui pouvaient s'insérer dans la carotte, afin d'avoir une carotte intacte. On peut continuer. Alors, je voudrais aussi insister sur la dimension profondeur de la tourbe. La mesure de profondeur des tourbes sont très, très importantes pour calculer le volume de la tourbe et le stockage de carbone souterrain. En plus des mesures de la profondeur des tourbes associées aux échantillons de sol extraits pour la densité apparente, pour l'analyse d'éléments et toute autre variable d'intérêt. La profondeur des premiers changements dans la texture ou la couleur des tourbes doit être relevée et le forage devrait se poursuivre à travers l'horizon de transition organo-minérale. Parce que la tourbe peut se présenter sous trois dimensions, la dimension organique, la dimension organo-minérale de transition quand la tourbe est terminée, et la dimension minérale qui représente le fond même de la tourbe. La profondeur et l'épaisseur de l'horizon organisme minéral devraient être également relevées dans les détails. Dans certains cas, la transition entre la tourbe et le sol minéral est brutale. Et sur d'autres cas, il peut être très graduel, l'horizon de transition devrait se distinguer de la tourbe et du substrat minéral de la tourbe. Parce que lorsque l'horizon de transition aura une densité apparente et un contenu de carbone distinct, ce qui devrait être considéré dans les estimations exactes des réserves de carbone souterrain. Alors, il y a un nota bene que j'ai voulu signifier qu'avant, dans notre expérience de cartographie, avant de prélever des échantillons de la carotte et après y avoir mis la règle pour dimensionner notre carotte, il est recommandé de prendre une photo de chaque longueur de carotte extraite avec un papier indiquant la profondeur et l'identifiant de notre carotte. On peut passer. Comment prélever des échantillons de tourbe? Le prélèvement de la tourbe nécessite un mesurage réalisé avec exactitude de 1. La profondeur de la tourbe. 2. La densité apparente brute du sol. 3. La teneur en matière organique. À titre d'exemple, nous avons décrit ici ce que nous avons pu faire dernièrement au niveau de l'inventaire forestier. Mais dans notre exemple de terrain actuel ou la cartographie, nous n'irons pas à prendre des échantillons au-delà d'un mètre. On considère juste la profondeur à un mètre, juste pour signifier qu'on est dans une dimension où la tourbe existe. Et les mesurages qu'on doit faire, les sous-échantillons qu'on va prendre, dépendront des couleurs de la tourbe, où on prendra à chaque couleur un échantillon que je vais décrire plus bas dans la fiche de collecte de données que nous avons réservée pour le cas.
Ici, nous avons donné juste les détails de ce que nous avons pu faire en inventaire forestier, où on a considéré que l'effort d'échantillonnage devait être dirigé vers le haut, vers la surface, parce que cette zone, c'est celle qui subit plus des effets, des impacts d'occupation et d'utilisation des sols. Et plus profondément, l'échantillon de tourbe est plus stable, c'est pour cela que dans le cadre de notre cartographie, les échantillons qui vont accompagner nos données de cartographie ne se limiteront que dans 1 mètre de profondeur. On peut passer. Voilà, j'ai insisté sur quand on prenait le sous-échantillon pour avoir la densité apparente qui est égale à la masse sèche en kilogrammes en rapport avec le volume en mètres cubes. On peut passer. Comment nous devons préserver nos échantillons de tourbe? Les échantillons de tourbe de 5 cm devront être dégagés soigneusement de la carotte à la profondeur appropriée. Ici, nous dirons que c'est à la couleur d'échantillon ou de la carotte appropriée et placée dans une boîte de sol métallique étiquetée. Ici, nous allons proposer des barquettes d'aluminium qu'on utilise pour des gâteaux, pour apporter la nourriture. Découpez nettement la carotte de la tourbe à un angle de 90 degrés. Il est extrêmement important d'extraire le volume précis de la tourbe pour mesurer exactement la densité apparente. Les assiettes d'aluminium étiquetées sont utilisées afin que les échantillons de la tourbe puissent partir directement depuis le terrain jusqu'au four de séchage au laboratoire. À ce moment-là, il faut éviter, au moment d'extraction des sous-échantillons, éviter la contamination des processus d'échantillons de 5 cm en tenant les instruments de découpe aussi propres que possible. La variation des propriétés des sols dotés de profondeur reste un aspect très, très important à considérer à l'échantillonnage des sols. Si des horizons pédologiques distincts peuvent être décelés sur le terrain, il se peut que ces horizons varient en concentration de carbone et en densité apparente. Alors, les échantillons représentatifs de carottes devraient être collectés pour chaque horizon et les estimations globales de carbone peuvent se calculer en considérant la densité de carbone et l'épaisseur de chaque horizon. On peut passer? Comment documenter les échantillons de tourbe? Chaque échantillon collecté sur le terrain doit faire l'objet d'un soin particulier, aussi bien pour sa conservation sur le terrain pendant la mission de collecte de données que pour son identification ultérieure dans les laboratoires de traitement des données pour ce faire. L'échantillon doit être placé dans un pot inoxydable, bien couvert avec une feuille d'aluminium. Sur le pot, il est porté au marqueur indélébile les inscriptions d'identification suivantes: le code de la localité, le numéro de la parcelle et la profondeur.
Le tout bien emballé est introduit dans un sachet de plastique individuel qui porte le même code de l'échantillon écrit sur le pot. Pour renforcer la sécurité de l'échantillon pendant le déplacement sur le terrain, un stack étanche est disposé pour rassembler tous les échantillons déjà recueillis. Le stack est sous la responsabilité d'un porteur spécial qui veille sur le coup. On peut passer. Alors, il sera produit une fiche de collecte de données pour l'évaluation rapide des tourbières. Cette fiche contiendra 8 grandes indications. Normalement, il faut renseigner l'identification du site et de l'observateur, la profondeur et la destination de la tourbe, l'humidité et le niveau de l'eau du point de collecte d'informations, le type d'écosystème, la description du type de la tourbière, la description du type de couverture terrestre, la description de la présence des perturbations. Et enfin, des images pertinentes identifiant le site. Que va contenir l'identification du site et de l'observateur? C'est notamment le nom du site, la date et l'heure, l'identifiant de la photo du site, l'observateur, l'altitude et le point GPS. On peut passer. Que va contenir la profondeur totale de la tourbe pour une carotte d'un mètre? Il faut noter la profondeur des couches, différentes couches de tourbe, la couleur de la tourbe, les restes des plantes, normalement feuilles, racines qui s'imbriquent dans les tourbes, dans l'échantillon de tourbe, et faire un prélèvement d'un sous-échantillon emballé, comme je l'ai décrit plus haut. Dans l'humidité et le niveau de l'eau, ça signifie si la zone est sèche, ça veut dire que l'eau est au-dessous de la surface de la litière. Si la zone est humide, ça voudra dire que l'eau est à la surface de la litière. Si la zone est détrempée, ça veut dire que l'eau est au-dessus de la litière. À ce moment-là, il faut mesurer l'épaisseur de l'eau qui coule sur ou qui est stagné sur la litière. Et enfin, on peut aussi distinguer l'eau stagnante au lieu de... Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Pour le type d'écosystème, il faut voir si c'est une tourbière de plateau, indiquer si c'est un marais aquatique, une forêt d'altitude, de flottant. L'eau non confinée, c'est-à-dire dans les savanes, et si c'est une tourbe, il faut indiquer si s'il est à dominance palmier, si c'est des marécages de feuillus, si c'est des fans herbeuses, et si la couverture terrestre devra indiquer si c'est une zone urbaine, si c'est un marécage de palmier, si c'est des forêts marécageuses de feuillus, si c'est des forêts mixtes, marquages et feuillus et palmiers, des forêts sur terre ferme, des eaux, des terrains ouverts, des zones arbustives à faible intensité d'utilisation et autres. On peut passer. Monsieur Mpati, juste pour vous indiquer qu'il reste 4 minutes. Ouais, c'est la dernière diapo. Et il y a la présence des perturbations qui font nécessairement indiquer s'il y a des abattages, la production de subsistance
l'agriculture industrielle, le bétail, l'exploitation forestière, ainsi de suite. Mais il est essentiel d'insister sur les images. Il faut prendre le numéro d'identification de l'appareil de photo, l'orientation de la photo suite, soit dans la direction nord, est, ouest, sud, et l'identifiant de photo. S'il y a aussi des caractéristiques particulières qu'il faut noter, il faut les signifier à ce moment-là. Je vais passer. Voilà. Comment conserver les échantillons? Il faut retenir qu'il faut les conserver sous scellé, les mettre au réfrigérateur dès que possible, les sécher au laboratoire dans le cadre d'un protocole d'analyse bien défini. Sur le terrain, il ne faut pas rester trop longtemps parce que les bactéries peuvent poursuivre l'activité de destruction de la tourbe. Au bureau, avant de conduire les échantillons au labo, ils devaient être stockés dans le réfrigérateur pour stopper l'activité biologique. Au laboratoire, après leur collecte sur le terrain, les échantillons devront être séchés. On peut passer. Ici, expressément, j'ai voulu vous donner comment on arrive à déterminer le carbone du sol. Il faut multiplier la densité apparente par le pourcentage de carbone et la profondeur du sol. On peut passer. À conclusion, vous savez très bien que moi, que les tourbières du Congo ont été cartographiées, mais à très grande échelle, à très petite échelle. L'exercice consistera à faire vérifier sur le terrain pour infirmer ou confirmer les différentes informations qui circulent à l'heure actuelle. La présentation que je vous ai faite, c'est juste un résumé. Il y a des documents didactiques que nous avons déjà produits que vous pouvez consulter auprès de l'IFEN-RDC et que vous avez consulté pour plus faire. Vous allez consulter pour de plus amples informations. On peut passer. Merci pour votre aimable attention. Ici, la photo exprime ce que nous avons fait avec les techniciens de l'IFEN-RDC qui vont se reconnaître aujourd'hui dans cet exercice. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Mpati, pour cette présentation et partage d'expériences très détaillées et intéressantes. On va maintenant directement continuer avec deux vidéos et après on va reprendre les questions qui ont été posées et continuer avec ça. Over to you to the videos. Merci Félix. Je voudrais seulement et présenter deux vidéos. Et dans ces vidéos, nous voulons mettre en évidence l'échantillonnage dans les tourbières, l'aspect de la tour, l'utilisation de la tarière, et comment prendre des sous-échantillons, et la manipulation des échantillons et l'équipement nécessaire. Donc, Elisabeth va présenter les vidéos. Merci Elisabeth. Donc, on attend un petit moment jusqu'à ce que les vidéos sont prêtes.
En attendant, peut-être, Félix, il y avait des questions, beaucoup de questions qu'on a reçues. On va résoudre dans le problème yes, de vidéo. I'm okay. going for it. Wonderful. Thanks, Elizabeth. Les petits problèmes techniques arrivent toujours, même avec la meilleure préparation. Donc, je vais prendre une question déjà, juste le temps que ça prend pour avoir les vidéos. Il y a une question pour Monsieur Mpati, du professeur Ifo Suspense, qui demande quelle est la profondeur maximum de pourtourbe que vous avez mesuré et dans quelle localité? Donc, Monsieur Mpati, si vous voudriez répondre à cette question, je vous invite d'activer votre microphone aussi. Merci. Merci. La profondeur maximale que j'ai pu rencontrer, c'est de 4 mètres. Et on l'a fait dans la réserve de Ngiré, à côté de Mbandaka. Et ça, c'était dans le cadre de l'inventaire forestier national de RDC au cours de l'exercice pratique. OK, merci beaucoup. Merci. Et je vais juste enchaîner, M. Mpati, parce que le professeur Suspense, il a demandé si vous avez aussi pris les dosages de matière organique, ou si vous les avez fait, dans ces tourbes. Et si oui, il serait très content si vous pourriez les partager. Quand nous étions en période de test de notre méthodologie avec l'US Forest, nous avions mesuré la matière organique au niveau des échantillons que nous avons pris à Impongi. On l'a fait avec le laboratoire camerounais d'analyse du sol. Nous avons également pris des échantillons de matière organique dans les mangroves autour du lac Nkonkwati. Et ça, on a fait des analyses de matière organique et d'autres éléments contenant notre échantillon. C'est au niveau des pointes noires qu'on les a réalisés. Effectivement, je vais mettre à disposition les résultats de ces échantillons, mais je ne les ai pas avec moi ici. Peut-être que je vais les mettre en ligne pour la connaissance de tout le monde. Mais c'était juste des éléments test. Tout ce qu'on a fait... au niveau de l'IFEN Congo, on les a envoyés aux États-Unis avec notre expert Mathieu. Mais jusque-là, nous n'avons pas le retour des résultats de ces échantillons. Merci. Merci, M. Mpati. Donc, je vois que la vidéo est prête maintenant et on va continuer. Elizabeth. In the Republic of Congo's Lukwala Department, on the western side of the Congo River, lies one of the world's largest areas of forested tropical wetlands. These vast peat wetland forests store more carbon than any other type of tropical forest. In the Republic of Congo, wetland forests make up 20% of the country's forested area. Due to challenges in accessibility, these are the only remaining forest areas in the country which have not yet been inventoried.
At the request of the Congolese government, the U.S. Forest Service, through the U.S. government's Silver Carbon Program and Central Africa Regional Program for the Environment, is supporting the National Forest Inventory Agency, CINIAF, to complete their national inventory of these wetland forest areas in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the Central Africa Forest Satellite Observatory, OSFAC, and the Wildlife Conservation Society. National forest inventories provide countries with a range of information about their natural resources. This allows for better planning and management of these important forest resources, as well as facilitates better understanding of ecological systems, including carbon stocks and storage. Working together, CINIAF and the U.S. Forest Service have adapted the National Forest Inventory methodology to both make forest inventory in peat wetland forest areas more accessible, as well as integrate soil carbon measurements, given the significance of these soil carbon-rich forest areas. The large amount of carbon that are stored in these forests, most of it you don't see. Although they do store a lot of carbon in the living biomass, it really is the peat soils where most of the carbon in these systems is found. So we were interested to integrate that methodology into their inventory procedures. It was very difficult to implement the methodologies that they use in other forest types because the wetland forests are very unique in that it's very difficult to move around. They're often inundated and the work is much more challenging than in other forest types. We really need to have this baseline information in order to estimate how much carbon is at risk when these forests are disturbed and how that affects or can contribute to global climate change. The validated peat wetland forest methodology includes procedures for data collection in adapted plot and sample units and protocol for soil sampling to quantify below ground carbon. On a retrouvé la matière la plus particulière qui est la tourbière. C'est une grande concentration de matière organique dans le sol. La conservation, on va la faire comment? Nous allons demander à l'US Forest de nous faire une cartographie de la zone. Avec cette cartographie, on va discriminer des zones d'intérêt. Des zones d'intérêt pour la pêche, pour la conservation de la biodiversité, des zones d'intérêt pour la conservation de la tourbière. À ce moment-là, on va faire un inventaire dans chaque zone pour évaluer les potentialités de chaque zone. Au sortir de ces potentialités, on va planifier la mise en valeur. Bon, nous avons la maîtrise de la collecte de données. Peut-être que ça serait mieux maintenant qu'on puisse savoir comment traiter ces données, comment analyser ces données pour arriver au bout de la chaîne. Parce que normalement, lorsqu'on va seulement collecter les données et qu'on arrive par le traitement, nous sommes un peu perplexes, nous sommes encore au milieu. Mais arriver jusqu'au bout pour savoir comment on détermine le carbone, je pense que ça sera très, très capital pour achever la formation. Currently, the U.S. Forest Service is continuing to support CINIAF to find resources to complete the remaining 20% of their forest inventory. Dans le cadre de ces échanges-là, dans le cadre de ce soutien technique, de cet accompagnement, de ce transfert de connaissances, et ça, ça peut nous aider donc à gérer aussi cette partie du pays, cette partie du biotope là que dont on n'a pas vraiment la connaissance jusque-là. La coopération entre US Forest et sans oublier aussi l'USAID qui est la grosse institution à qui nous donnons aussi notre coup de chapeau. Donc tout ça, ça contribue un peu au dynamisme des relations entre le Congo et les États-Unis d'Amérique. Collecting data in these forests will increase knowledge about these globally understudied but ecologically important peat wetland areas. In particular, carbon stock estimates will improve understanding of the potential impacts of land use change, such as forest degradation or deforestation. And our hope through this work is that the experience that we're supporting here in the Republic of Congo can be replicated more broadly throughout the region as we
work with our partners, USAID, to inform the work going on more broadly in global climate change. The U.S. Forest Service continues to work with SNIAF and the Republic of Congo government more globally to support data collection, monitoring, verification, and reporting of forest cover and forest change. Forest inventory is one important part of this broader effort. Vidéo. Toi, tu fais le même boulot. Si tu prends du temps comme ça, l'écosystème, il y avait des insertions, mais où veiller préciser autre. Nous, voilà, ce sont les deux vidéos informatives. On va directement enchaîner les questions dont on a reçu beaucoup de vous. Après, on va essayer de reprendre. Nous voulions seulement remercier les Swamp Program pour les vidéos et ce sont très compréhensifs et merci beaucoup pour les produits. Merci Laura. Oui, exactement. C'était le programme Swamp qui nous a fourni les vidéos. Merci beaucoup pour ça. Et du coup, on commence avec les questions. On a reçu beaucoup. On va essayer de répondre une quantité les plus possible. Je vais commencer à fournir une question à Alexandre de monsieur, excusez-moi, mais bon, la question c'est, pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter avec plus de précision les différences entre les open peatlands, donc les tourbières ouvertes, à l'est de la République démocratique du Congo, et celles qu'on trouve d'habitude à l'ouest en plein forêt tropicale. Yeah. Thank you for the question. Merci pour cette question. En fin de compte, ce que je sais, donc je pense qu'il y a des différences
entre donc des tourbières dans les zones basses et donc les zones montagneuses. Et donc, quand c'est ouvert, c'est dans les plaines inondées, par exemple. Et donc, ça, c'est lié à des inondations. Et donc, la plupart des tourbières dans les, à la montagne est donc liée plus, plutôt à des bassins qui sont fermés. Et donc, il y a souvent des petites rivières, des ruisseaux. Donc, ils ne sont pas aussi dynamiques. Je ne peux imaginer que dans les zones, par exemple, graminées, donc, ils sont dominés les deux par donc, ces zones. Mais vous pouvez avoir des tourbières dans les hautes montagnes aussi. Mais bon, la végétation sera très différente. Et donc, vous pouvez avoir aussi des sapins. Et donc, vous avez des différences hydrologiques, mais il y a aussi des différences écologiques. Et donc, bon, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Et donc, justement, je suis en train d'étudier la question. Et donc, j'avais montré les différentes zones dans le bassin du Congo. Et donc, la situation aujourd'hui, ce qu'on sait déjà à propos donc, de ces tourbières. Mais dans tous les cas, on va continuer à perfectionner ces informations et je vais pouvoir vous donner plus de détails à l'avenir. Merci Alex. Cette question a été posée par M. David Chougui, j'espère de bien prononcer. Alex, tu as répondu à plusieurs questions dans le chat. Est-ce que tu pourrais commenter encore à ces questions, par exemple celles vers les données qui ont été utilisées. Merci. Yeah. Okay. So actually, what we are doing. En fin de compte, ce que nous faisons, si par exemple tu vas dans un pays ou une région, on fait des recherches de toutes les informations qui existent déjà, et donc l'approche qu'on utilise, et donc on va chercher dans les archives des différentes disciplines scientifiques, et donc la végétation, et donc on va chercher dans le FAO, ISPIC, et aussi ce qui est très important pour le bassin du Congo, l'Université de Gand, aussi qui a une bonne collection donc de cartes que nous avons utilisées. Et donc en ce moment, donc c'est déjà en ligne depuis 2 ou 3 ans, donc vous avez accès donc justement à ces cartes. Donc ça a eu beaucoup de valeur pour nous dans nos recherches. Et donc c'est la première fois qu'on est en train de chercher les différentes approches à travers l'Internet et les archives. Et donc basé sur ces informations, et donc on essaie de développer donc une carte de probabilité justement qui est basée sur des informations indirectes. Et donc, vous avez la topographie des tourbières et donc, topographie. Donc, on essaie d'extraire des informations sur la végétation, donc d'une carte basée sur la végétation à partir de SIG. Et donc, il y a aussi une approche dans le SIG qui est très simple et qui va nous donner des informations indirectes. Et ensuite, on a donc une certaine probabilité de l'existence d'une tourbière. Mais bon, on sait aussi, par exemple, si vous avez des rapports qui mentionnent le fait qu'il y a, par exemple, des tourbières dans les montagnes, Kaozi. Donc, si vous avez une indication comme ça, et donc nous allons aller regarder les images par satellite de cette zone, et donc on va regarder donc un outil à 3 dimensions, et donc on va regarder exactement où se trouvent les tourbières, et donc dans les dépressions de ces zones, et donc quelle est l'apparence, et donc nos données. Donc c'est un mélange de ce que nous pouvons trouver comme information sur la zone, et donc tout ce qu'on peut trouver sur les tourbières que nous cherchons, et ensuite on essaie de faire une classification basée sur les images par satellite, ou bien on essaie de faire une carte basée sur la probabilité. Et donc, en ce qui concerne le bassin du Congo, on a fait des cartes basées sur la probabilité. Et donc, on a déjà analysé
ces différentes cartes, et donc je suis basée sur les experts. Et donc, bon, ce n'est pas encore fini, ces informations. Donc, on a juste quelques idées où on pense avoir des tourbières. Mais je pense qu'il y en a peut-être beaucoup plus que ce qu'on a pu identifier jusqu'à maintenant. Et peut-être des plus petites tourbières dans la zone élargie là, du bassin du Congo. Il me semble qu'il y avait aussi une autre question en ce qui concerne la disponibilité des cartes. Et donc, on a donc des cartes qui sont un peu indirectes comme information. Et donc, j'ai mis mon adresse électronique dans la chat box. Et donc, vous pouvez toujours m'envoyer des questions directement. Et donc, parce que je vais avoir de plus en plus d'informations à l'avenir. Je travaille sur la question en ce moment. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Professeur Simon Lewis, qui a une question pour Monsieur Mpati par rapport à la définition de la tourbe. So, Monsieur Simon Lewis, si vous voudriez commencer, merci. Thank you. Merci. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi une définition de tourbe avec 50 cm ou entre 40 et 60% de matière organique, ce qui est différent du tourbe que nous avons utilisé dans la zone du Congo, dans notre projet sur le tourbe, depuis 7 ans. Alors, parce que ça va justement poser des problèmes, les rendre incompatibles, les deux ensembles de données. Et donc, de la même manière, donc, les cartes sur les tourbières vont être un peu incohérentes si on n'a pas la même définition de la tourbe. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces dimensions pour la définition de la tourbe? Pour cette question valide, Monsieur Mpati, est-ce que vous voudriez répondre à cette question? Et je vous invite d'activer votre microphone. Ouais, merci beaucoup pour la question. Mais je pense que cette question a été répondue par le précédent présentateur. Nous avons gardé ces éléments-là parce qu'on était timide au début de nos expériences au niveau de l'IFN Congo. Il s'avère que, au fur et à mesure qu'on va à profondeur de cette question, les éléments ne sont que rentrés dans notre package. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir là-dessus pour qu'on définisse notre tourbe au niveau de la sous-région, surtout pour le bassin du Congo. Moi, j'ai lancé juste cette question pour que cette réaction-là ait été attendue. Heureusement pour moi, la première présentatrice a dit ben, il faudrait qu'on s'entende pour comprendre les dimensions, qu'est-ce qu'on va garder comme pourcentage minimum de matière organique. Donc, cette question-là, on va la résoudre au fur et à mesure qu'on va progresser sur le terrain au fur et à mesure qu'on aura des réponses, des éclaircissements dans la tourbe qu'on a dans notre sous-région. Ben, j'ai pris ça parce que c'est l'information que j'avais sous la main. Je l'ai utilisée et c'est comme la question du professeur Riffaut. Elle était très importante parce qu'elle se croise avec le questionnement que notre auditeur vient de se poser. Mais ce n'est pas à moi de définir à tout le niveau de la sous-région. C'est ce type de projet qui doit mettre la question sur la table pour redéfinir la tourbe à d'autres, pour notre sous-région. Merci.
Merci, Monsieur Mpati. Et je crois que c'est vrai qu'il est très important d'aligner les méthodologies. To complement, I'm going to speak in English. Just to complement. Juste pour vous donner d'autres informations. From outside. Donc. En fin de compte, quand on a nos partenaires dans les républiques de Congo et de RDC, si ils peuvent donc aligner donc leur recherche cohérente avec les données qui existent déjà. Et donc, il me semble qu'il va falloir que tout le monde utilise les mêmes définitions. Et donc, s'il vous plaît. Yeah, just to recall back on the. Oui, je voulais juste vous rappeler que l'objectif de notre session aujourd'hui, donc justement, la discussion en ce qui concerne les définitions des tourbes va pouvoir être discutée après notre session. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut discuter, c'est de travailler comment sur la méthodologie, comment on peut travailler sur le terrain. Et donc, je pense qu'il peut y avoir. Enfin, c'est surtout intéressant et important de discuter donc la méthodologie. Mais on peut parler après la session sur les définitions spécifiques qu'on va utiliser justement en ce qui concerne la définition des tourbes. Ah, merci, Félix, pour toi. On a le temps pour une question très courte avant qu'on va continuer avec la suite de notre webinaire. Et cela serait une question à Alex de Monsieur Jean Parfait. À partir de quelle superficie minimale on peut considérer qu'un sol est une tourbière? Et j'imagine que c'est une question pour Alexandra. Okay. Yes. I did not. I will translate. So from which area? Minimum area you need? The minimum area you need for to have a peatland. I think you can go into. Je pense que vous pouvez avoir beaucoup plus de détails. Donc ça dépend de vos objectifs. Par exemple, la cartographie. Donc, vous pouvez avoir un lot de 30 mètres carrés. Et donc, si maintenant il y a des tourbes, vous pouvez l'appeler un tourbière. Mais bon, l'échelle, donc ça dépend de l'échelle que vous allez utiliser pour les tourbières. Et donc, c'est lié à vos objectifs dans la cartographie. Donc, vous pouvez avoir donc beaucoup de détails avec une échelle de 1 à 5000. Ça dépend si c'est nécessaire. Et donc, évidemment, il faut trouver des tourbes dans cette zone. Et donc, en fin de compte, ça dépend de ce que vous cherchez. Donc, en ce qui concerne l'affectation des terres et donc une plus haute résolution, donc je sais que vous avez une résolution classique de 1 à 10 000. Mais maintenant, si vous allez construire quelque chose, et donc vous pouvez avoir 1 jusqu'à 5 000, même 1 à 2 000. Et donc, je ne pense que ça ne peut pas être appliqué à une zone très vaste. Et donc, ça dépend vraiment de l'objectif de votre carte. Et donc, vous pouvez avoir de très hautes résolutions si c'est nécessaire. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, je vois beaucoup de questions. Et donc, il faut se rappeler donc, de ces informations de retour. Il y a beaucoup besoin de répondre à ces questions. Alors, ce qu'on veut faire, c'est, et je vais donner le microphone à Félix pour faire une démonstration de notre exercice pratique de ce que nous allons faire aujourd'hui. Et donc, je pense que vous allez pouvoir le montrer à tout le monde. Donc, Félix, si vous pouvez garder, limiter votre présentation à 30 minutes. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant?
But, pas de problème. Merci. Donc, je vais commencer avec une petite présentation et puis continuer avec une démonstration en QGIS avec le logiciel. Donc, la préparation d'une mission au terrain est constituée de deux parts, dont la première partie, l'étude préparatoire. Alexandra Barthelmes en a déjà parlé. La deuxième partie, c'est la conception de la mission au terrain, donc comment assembler les transects ou de créer un plan d'échantillonnage. Donc, une étude préparatoire, c'est juste pour récapituler maintenant, se base notamment sur les caractéristiques des tourbières qui sont caractérisées par la présence permanente d'eau, tout d'abord. Du coup, la présence d'une seule organique est la tourbe. Mais comme vous avez déjà entendu, la végétation adapté et très spécifique de ces conditions. Et ces conditions sont influencées par la topographie comme l'hydrologie, ce qui sont les facteurs déterminants. Donc, l'étude préparatoire, c'est principalement de collectionner les informations disponibles, ce qui sont les cartes, très souvent. Donc les cartes tourbières, si vous trouvez des informations directes qui indiquent les tourbières, vous êtes très fortuné. Voilà, ici vous voyez une carte de tourbière de Sifor, mais le projet CongoPIT a bien sûr aussi produit une carte plus détaillée. Il y a la végétation de marais sur laquelle on peut baser les indications des tourbières. Mais on utilise également des modèles digitaux d'élévation, par exemple, donc des informations physiques. Et en plus des informations sur l'utilisation des terres. Voici dans le lien, vous trouverez des informations vers des archives et où trouver des archives. Donc, après la collection, l'analyse préliminaire se fait par une superposition de toutes les informations que vous avez trouvées. Et c'est ce que je vais démontrer bientôt dans la suite. Et d'où, à la fin, résultent les locations, les cartes, les locations et la distribution des tourbières, comme des profils des pays sur les tourbières et, dans les cas particuliers, les plans d'échantillonnage. Si vous n'avez pas des informations directes des tourbières, il faut uniquement se servir des informations indicatives, comme des informations sur le terrain, des images satellites qui indiquent les types de couverture des terres et d'autres données indicatives. La conception de mission au terrain, c'est surtout le plan d'échantillonnage qui doit être le plus représentatif possible d'une tourbière. Sur la droite, vous voyez des exemples simplement, comment ça pourrait se faire. Ce plan d'échantillonnage dépend tout d'abord du but de l'étude. Donc, qu'est-ce que je veux avoir en tant qu'information? Est-ce que c'est juste la présence de la tourbe, par exemple? Ou est-ce que je suis intéressé aussi au contenu de carbone dans le sol? Donc, l'épaisseur de la tourbe et la concentration du carbone au sol. Mais aussi, pour quelles raisons? Est-ce que je fais une recherche ou est-ce que je veux, par exemple, créer un plan de gestion d'une certaine région?
Après d'autres aussi, il faut prendre en compte la taille et la forme de la tourbière, l'accessibilité de la tourbière pour une question logistique, les moyens de déplacement et le temps que j'ai à disponibilité et aussi la sécurité, évidemment. Donc, on va continuer maintenant avec un exemple concret au terrain à côté de la ville de Mbandaka. On a fait la recherche préliminaire avec des indications des tourbières. Les informations que nous avons assemblées dans cet exemple, c'est une carte de tourbière de projet Congo Pit, c'est une carte de tourbière de CIFOR, c'est un modèle digital du terrain et des images satellites de libre accès comme Google ou Bing. Et toutes ces données, vous trouverez aussi sous le lien pour votre exercice à la maison. Et le but, c'est de vérifier, pour nous, pour cet exemple, de vérifier la présence et la distribution de la tourbe au terrain et de faire ça aussi en fonction des types de couverture des terres. Avec ça, je vais changer dans mon logiciel. Que vous devriez voir maintenant. Est-ce que vous le voyez, Maria? Oui, on le voit. Yes, no problem. Merci. Donc, vous voyez ici maintenant notre zone d'intérêt qui est située juste à côté de la ville de Mbandaka, qui apparaît dans le sud-est, qui est entourée par la ligne rouge. C'est le jardin botanique. C'est un jardin botanique. Et quand vous commencez à faire une analyse du terrain, avec, moi je commence maintenant avec les images satellites de Google ou Bing. Et sur ces images satellites, vous voyez des différents types de couverture des terres. Voici, il y a des habitations qui font encore partir de la ville, mais qui vont déjà dans le terrain, dans la zone d'intérêt. Et je vais un peu zoom, et juste à côté de ces habitations, vous avez d'autres types, comme des zones d'agriculture, mais aussi, que vous voyez ici, des zones de forêt, et de différents types de forêts. Donc, je fais une analyse, une première analyse visuelle de mon endroit pour trouver des zones, des régions qui sont intéressantes, qui pourraient avoir des tourbières. Et pour moi, maintenant, je vous dis que ces zones de forêt, des forêts avec beaucoup d'arbres et peu d'arbres, semblent déjà intéressantes. Mais également aussi la zone au nord-est qui est de végétation ouverte, herbacée, qui est directement située au bord de la rivière et qui semble très humide aussi, comme vous pouvez voir hier. Du coup, ça c'est pour une inspection préliminaire. Je peux rajouter maintenant la carte de tourbière de Leeds qui nous indique dans le terrain justement ces zones de forêt en tant que tourbière. Donc ça, c'est une indication forte déjà. Et vous voyez ici la résolution de la carte qui est assez bien. Donc ça me donne déjà l'impression mieux où pourraient se trouver les tourbières. Cette carte de Leeds est principalement basée sur la végétation. Maintenant, on a trouvé cette deuxième carte tourbière de CIFOR. Et vous voyez que la distribution indiquée est différente. Vous voyez aussi que la résolution de cette carte est différente, elle est moins détaillée. Et je peux vous dire que la carte CIFOR est basée pas sur la végétation, mais sur la topographie et les modèles, les modélisations d'hydrologie. Donc ça rajoute en fait des informations. Comme vous voyez dans le nord-est, les zones herbacées qui peuvent être des tourbières. Avec ça, on peut juste
rajouter encore, par exemple, le modèle digital du terrain qui montre les forêts. On peut voir les forêts, comme vous voyez, tout ce qui est plus clair, c'est plus haut. Et c'est plus haut parce qu'il y a des arbres qui sont plus hauts que les terrains dans les alentours. Avec ces informations maintenant, cette analyse visuelle qui est simplifiée, bien sûr, mais qui vous donne un exemple, il faut créer le plan d'échantillonnage. Comment le faire? Il faut mettre les transects dans le terrain pour bien couvrir nos indications de tourbière. Je vais enlever la carte de Sifor et arriver. Donc, on a un intérêt de couvrir les types de... on a un intérêt de couvrir les types de couverture ou d'utilisation des terres qui sont superpositionnées avec d'autres informations d'apparence de tourbière. Donc, par exemple, ici et d'autres. Et là, ma collègue Alexandra Batelmes, elle a préparé des suggestions de transects pour raccourcir, pour une question de temps, que je vais vous montrer là. Donc, elle a mis les transects qui couvrent différents types de couverture des terres, qui vont des limites d'une probable tourbière jusqu'au milieu qui couvre les zones d'agriculteurs et les forêts, mais qui prennent en compte aussi l'accessibilité. Donc ça commence aux routes ou près des habitations. Je suis où dans le temps maintenant, Alex? You have Felix, 7 minutes for this, but if you can go faster, no problem. Yeah. Je vais vous montrer encore j'ai parlé donc on a déjà un exemple comment localiser et mettre les transects dans un terrain. Pour le travail au terrain, et le professeur Simon Lewis, il peut juste le confirmer, je crois, accéder les forêts marécageuses, ça prend du temps et c'est très difficile. Donc il faut prendre en compte aussi, quand vous positionnez un transect pour prendre des échantillons, que ça prend beaucoup de temps d'accéder à une forêt marécageuse. Il faut pas le faire trop long. Après avoir mis les transects, il faut aussi décider où prendre des échantillons. Et là, Madame Alex, elle a préparé aussi les points qui sont juste un exemple. Elle les a mis, les points d'échantillons, aux distances similaires, égales, à travers le transect. Ça, c'est un exemple. Ça peut aussi être différent. Ça dépend la longueur du transect. Ça dépend le changement de végétation, par exemple. Donc, au bord, des fois, ça peut être plus utile d'avoir une distance réduite. Et quand ça change plus, la végétation... on peut prendre une distance plus longue. Avec ça, j'assume qu'il y aura des questions et je suis curieux ce que vous allez en trouver, si vous avez des questions de compréhension, mais aussi des questions techniques. Je vous demande quand même de garder en tête que c'est juste un exemple, sans très simplifié, pour vous montrer les principes d'un développement d'un plan d'échantillonnage. Merci.
Maria. Enfin, je vois pas encore les questions. Directly related to the task, I don't see any. Directement lié à cette tâche, il n'y a pas encore de questions. Il y a des questions, par contre, en ce qui concerne le modèle numérique de terrain et les résolutions spéciales. Et Alexandra devait répondre en ce qui concerne les 30 mètres. Mais sinon, vous pouvez continuer à envoyer donc, vos questions en ce qui concerne cet exercice pratique. Il y avait une question aussi en ce qui concerne l'accès à cette application et donc le téléchargement. Et donc, tout ça arrive à travers les informations que Laura va vous envoyer. Et aussi, on va partager l'enregistrement avec vous. Et donc, on dirait que c'est très clair ce que vous avez présenté, Félix. Et donc, peut-être, vous pouvez expliquer maintenant donc, ce que chacun doit faire avant nos prochaines sessions. Je vous ai montré cet exemple. Pour préparer, pour vous laisser pratiquer vous-même, ceux qui ont déjà des expériences avec les logiciels des systèmes d'information géographique n'auront pas des problèmes. Pour tous les autres, nous avons préparé des directrices introductives, comment télécharger les logiciels, comment télécharger les données d'exemple, et aussi avec des informations comment l'utiliser ensuite. C'est nécessaire pour un tel travail de pouvoir utiliser ce logiciel, ça peut être aussi un autre logiciel des systèmes information géographiques. Je vais maintenant lancer la petite présentation pour les tâches de devoir. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous le verrez, vous le voyez? Oui, on le voit, oui. Donc, on a préparé un petit exercice dans lequel vous pouvez répéter ce développement d'un plan d'échantillonnage avec les mêmes données que je vous ai montrées dans une zone juste à côté et aussi à Mbandaka. Comme vous le voyez sur la carte, sur la carte sur la gauche, on vous demande d'utiliser, si vous en avez pas encore, ce logiciel de QGIS. Il est libre accès et gratuit et avec beaucoup de possibilités. On vous demande d'utiliser alors les cartes modèles numériques de terrain, les cartes tourbières qui sont à votre disposition ensemble avec les instructions sous ce lien et avec les images libres d'accès. Comme j'ai dit, on vous demande de prendre en compte aussi, comme je vous l'ai montré, les types différents d'utilisation et couverture des terres pour identifier les zones les plus intéressantes. Ces types différents de couverture, il y a tout un ensemble. Il y a les forêts marécageuses, il y a les forêts marécageuses entremêlées de palmiers. Il y a les palmiers marécageuses, il y a l'agriculture, les terrains plutôt d'arbustes peu utilisés, il y a les habitations, il y a les mosaïques de forêt de ce qu'on appelle terra firme. Terra firme, ce sont les sols minéraux, donc sans tourbe et sans sol organique. Et on a des marais ébarcés qui sont plutôt ouverts, qui ne sont pas forestés normalement. Donc ça, pour vous guider. Donc votre tâche, c'est et serait de délimiter les zones de types différents
d'utilisation en créant des polygones aux fichiers de forme, en utilisant les images satellites. Aussi, pour créer des polygones aux fichiers de forme, il y a les instructions dans notre document que vous pouvez télécharger sous les liens. Donc, en utilisant les images satellites et en considérant les types d'utilisation de terres que je vous ai montrés. Et ensuite, placer les 6 transectes, donc placer 6 transectes avec 4 locations d'échantillonnage, les deux en forme de en fichier de forme aussi, en prenant en compte les couvertures et aussi d'un point de vue de diminution des efforts de travail sur le terrain, donc l'accessibilité par exemple. Ça, c'est le petit exercice pour vous, pour pratiquer, pour jouer un peu avec le logiciel également, et pour se préparer à un développement d'un plan d'échantillonnage. Comme j'ai dit, toutes les informations vous trouverez sous les liens. Également, les présentations seront à votre disposition après ce webinaire. Et avec ça, je suis curieux à la discussion, aux questions que vous avez. Merci. If you want to take a little moment just to, donc, si vous voulez prendre un petit peu de temps, just to think about the potential questions. Donc, des questions potentielles. And I saw Laura, you wanted to say Laura, something over exemple, to you. Je crois que tu veux dire quelque chose. Nous avons des mains levées, Emmanuel et Marie Lisenga. Emmanuel, vous avez des questions. Donc, vous pouvez activer votre microphone, si possible. Emmanuel, à vous. Merci. Vous me suivez? Oui, on vous entend, vas-y. Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, c'est d'abord de remercier le présentateur. Je vois que les explications ont été claires. Merci à M. Bagil, merci à Félix, à tout le monde. Alors, juste la petite précision par rapport à... Je voudrais avoir juste une petite précision par rapport à la carte. Le plan d'échantillonnage, je me réfère à l'IFN. S'il faut que nous fassions la descente de terrain, est-ce que nous allons définir les choses au bureau, quand je dis au bureau ici à Kinshasa, par exemple, au niveau macro, ou bien nous allons avoir les points donc à titre indicatif, comme on avait le plan d'échantillonnage à l'IFN, on sait que l'unité d'échantillonnage, c'est à tel endroit, et quand nous arrivons au niveau du terrain, et on peut avoir la possibilité de faire des spatio-cartes, c'est-à-dire des cartes avec une grande échelle, capable de pouvoir prendre en compte tous ces aspects des spécificités des terrains. Je m'explique pour terminer, c'est notamment en rapport avec l'accès. Parce que je ne sais pas ce que, quand on va manipuler les images SAT, serions-nous à même de pouvoir déceler les difficultés liées à l'accessibilité? Parce que la petite expérience des terrains avec l'IFN, quand on a fait l'Équateur, c'est il y avait toujours des choses qui étaient un peu surprenantes quand on était sur le terrain. Et en tant que technicien, nous étions appelés à pouvoir nous adapter sur le terrain, bien qu'on avait des cartes qui étaient élaborées au niveau macro. Et sur le champ, on était appelés à faire d'autres petites cartes pour pouvoir nous donner l'accès sur le terrain. Est-ce que nous allons à procéder de cette manière ou il y aura une autre approche quand on va définir la méthodologie de façon détaillée. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Merci, c'est une bonne question. Je vais regarder si Monsieur Mbati, vous voudriez répondre, Monsieur Emmanuel, et sinon Félix peut potentiellement compléter. À vous. Avec plaisir.
Oui, merci pour la parole. Ben, je pense que toute la conception doit se faire d'abord au bureau. C'est au bureau qu'on doit définir les itinéraires et chaque itinéraire doit commencer par un point GPS. Le début de notre transect doit être connu déjà au bureau, la latitude et la longitude par où ça commence. Donc maintenant, les difficultés de terrain, on ne peut pas s'en empêcher. Hein, monsieur Emmanuel connaît très bien que les terrains, d'une façon ou d'une autre, pour les tourbières, c'est toujours des terrains difficiles. Je voulais insister là-dessus pour ne plus avoir peur du terrain. Si vous voulez aller sur le terrain, vous devez être en bonne santé et vous devez être capable d'affronter les difficultés. Et je pense que nous avons vu que nous avons à disposition des images de haute résolution. C'est déjà possible d'éviter les premières difficultés pour orienter les points d'accès le plus facilement pour que on affronte seulement les difficultés du transit. Bon, avec mon collègue Emmanuel, nous savons qu'un transit, ça ne se suit pas à l'aveuglette. Quand il y a une difficulté, on contourne la difficulté. C'est là où ça consomme un peu plus de temps. On ne va pas marcher dans le fleuve ou dans le fleuve Rocky pour atteindre notre point de mesure. On peut contourner la difficulté dans des zones accessibles pour atteindre notre point de mesure, puisque les mesures se font dans des points déjà identifiés sur, au bureau. À ce moment-là, si entre les deux points, il y a une difficulté, on la contourne comme on fait, comme le fait les bons forestiers. Voilà ce que je pourrais apporter comme. Merci beaucoup, M. Mpati. Je vois aussi qu'il y a, il y a des autres mains à soulever. On n'a que quelques minutes. Je propose qu'on va faire en ce moment, pour respecter ce qui doit partir à 5h ou à 6h de différentes zones, voilà, dans quelques minutes, que maintenant on passe dans le message clé et après on peut continuer à adresser certains, une partie des questions qui sont venues. Sinon, compromis, on va collecter toutes les questions et on va vous envoyer un document avec les contenus de les réponses à toutes les questions. Bien sûr, c'est pas la même chose que discuter sur ça, mais j'en suis sûre qu'aussi sur le terrain, on va avoir pas mal de temps pour échanger. Bon, maintenant, je vous passe Laura et Laura et après on va encore continuer à quelques minutes pour répondre à la question qui reste. À toi, Laura. Merci. Oui, donc nous voudrions seulement souligner quelques messages clés pour les missions de terrain. Et on doit réviser l'utilisation de la tarière, comme M. Mpati a expliqué. Et aussi les classifications de la tourbe dans fibreuse ou mix saprique parce qu'il détermine l'aspect de la tourbe à identifier dans le terrain et le prévalement de la tourbe et on doit mesurer avec exactitude la profondeur, la densité apparente du sol et la teneur en matière organique. Et on doit réviser aussi la manière de préservation des échantillons de tourbe et les protocoles proposés dans la fiche de terrain pour l'évaluation rapide de la tourbière et des échantillons et que nous avons vu aussi dans M. Mpati's présentation. Et enfin,
Et les messages clés de la session, et dans cette session, nous avons exploré les types de tourbières présentes dans la région, en connaissant les caractéristiques écologiques des tourbières et leur stade de formation. Et ces critères sont la base pour cartographier les tourbières et identifier des sites de terrain pour développer des études sur les sols tourbeux et organiques. Et le protocole que nous avons présenté est basé sur le protocole SWAMP et les lignes directrices Ramsar, et qui propose des approches pratiques et des procédures de collecte de données sur le terrain et pour la cartographie des tourbières. Et donc, je crois que nous pouvons finaliser cette session. Merci beaucoup pour votre participation et nous vous envoyons l'enregistrement et tout le matériel pour votre information et pour pratiquer cet concept. Et donc, merci beaucoup et à les partenaires aussi, et à SWAMP et à les US Forest Service, CIFOR et les partenaires de l'Initiative mondiale pour les tourbières. Merci beaucoup. Many thanks, Laura. Some good key messages there. Donc, c'était les messages clés très importants. Et donc, on peut... depuis la fin de notre partie officielle, si vous avez encore des questions, des commentaires que vous voulez partager avec nous, donc nous pouvons continuer encore 10-15 minutes si vous voulez. Mais bon, j'aimerais bien aussi remercier à tous nos partenaires qui ont pu rendre possible cette session. Alors maintenant, la prochaine session, on n'aura pas donc les finances pour envoyer un grand groupe sur le terrain. Et donc, on est en train de discuter toutes ces questions avec votre ministère et on est en train de réviser et donc les possibilités d'avoir une mission sur le terrain. Et donc, on pourra peut-être vous envoyer quelques personnes à Mandaka. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont déjà sur place. Et donc, si vous avez des experts sur place, et donc ils peuvent peut-être rejoindre donc la mission sur le terrain. Et donc dans tous les cas, on va rester toujours en contact avec vous et donc tous ceux qui sont invités à nous rejoindre dans la mission sur le terrain. Et donc, on est très ouvert à différentes méthodologies et de différentes approches pour qu'on puisse réussir cette mission. Merci beaucoup. Et donc, beaucoup de remerciements à nos présentateurs, Félix et Laura, qui ont préparé cette session intensément avec Alexandra, Olivia de notre USFS. Et donc, merci beaucoup à tous les participants. Et donc, on va peut-être arrêter l'enregistrement là. Et donc maintenant, juste pour des problèmes pratiques, donc si je vais commencer une autre enregistrement, juste pour cette partie inofficielle. Et donc je vois une main qui est levée de M. Mani de RBC. Et donc je vais peut-être donner la parole à M. Inyami. Monsieur, vous avez la parole. Celui qui a levé la main. C'était juste pour commenter un peu. Je pense que j'ai mis quelque chose dans la box à discussion, donc en référence avec la présentation de M. Basile, qui était très pertinente, avec qui on a été sur terrain, et d'autres présentations. D'ailleurs, quand nous avons terminé la mission de terrain avec M. Basile, nous avons présenté un rapport qui avait été soumis à qui des droits, donc au ministère de l'Environnement et aux autres partenaires, notamment la FAO. Il était question, nous avons suggéré de pouvoir
voir dans quelle mesure on allait établir un plan d'échantillonnage spécifique pour la RDC à la lumière du plan d'échantillonnage que nous avons utilisé à l'IFM. Notamment, c'était pour prendre en compte les spécificités des terrains, comme on venait de les présenter ici, et les différents strates que nous avons dans la zone d'étude, et maximiser les informations. Donc, c'est un peu ça. Et je voudrais aussi, à la lumière de ce qui a été présenté par M. Mpati, je suggère à l'équipe, je sais que les moyens sont limités, de penser à associer à cette équipe des experts, des botanistes. Donc, nous avons aussi des botanistes qui ont un rôle à jouer, notamment quand j'ai vu la présentation de M. Mpati, il a parlé de la description de terrain. Et ce sont des zones, quand vous consultez la plupart des informations botaniques, des études qui ont été réalisées dans la cuvette centrale, ce sont des zones qui n'ont pas été vraiment investiguées, notamment à l'époque coloniale, parce que l'accessibilité est difficile. Alors que nous avons des botanistes locaux qui connaissent bien les milieux, je suggère, dans la mesure du possible, de pouvoir les associer dans cette mission de terrain, parce que nous avons travaillé avec M. Basile. Un des exercices était de voir, avec la carte qui a été réalisée par le projet Congo-Pit, comment est-ce qu'on allait faire correspondre les zones de terrain avec la végétation et la biodiversité caractéristique de ces écosystèmes. Donc, nous avons besoin de ces compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà des bons points pour le plan d'échantillonnage. Je voudrais maintenant passer, so I will now swap to English. Apologies for the interruption. Je parle maintenant en anglais. Et donc, il y avait aussi une question concernant les transectes. Et donc, ça dépend de quoi l'orientation des transectes est dans la mission sur le terrain. Et donc, et quelle est la distance entre les transectes? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus? Donc, d'abord, c'est Alexandra et ensuite Félix. Allez-y. Ah, merci pour la question, encore une fois. Donc, l'orientation des transectes, et donc, ça dépend. Donc, l'objectif de la cartographie et aussi la taille de votre tourbière ou combien la tourbière est petite. Et combien de temps vous avez pour couvrir la zone? Et donc, si c'est très grand et vous avez juste le temps à faire, par exemple, 6 ou 7 transectes et 2 ou 3 semaines, et donc vous allez ajuster donc, la distance entre les transectes pour vous donner la possibilité de couvrir toute la zone en très peu de temps, si vous avez une grande distance. Si maintenant la zone est toute petite, et donc vous avez la possibilité donc rapprocher les transectes. Donc, tout dépend de l'objectif de votre cartographie. Et donc, on n'a pas de réponse toute faite à cette question. Il faut ajuster donc la réponse à la zone, la tourbière que vous êtes en train de cartographier et aussi le financement disponible que vous avez. Alors, Félix? Beaucoup à rajouter. J'ai essayé aussi de répondre à cette question dans le fenêtre question-réponse. Et c'est vraiment une question individuelle et il faut l'évaluer cas par cas. On ne peut pas donner des règles générales, sauf que souvent des transectes sont orientés vers les zones qu'on assume avec les profondeurs les plus grandes de la tourbe. Mais à part de ça, c'est difficile de généraliser ces questions. Merci. Thanks a lot, Félix. Then we have another question. Donc, il me semble qu'il y a une autre question. Monsieur Mpati? OK. C'est sur le carottage et le carottier a une profondeur de 50 cm. Si par exemple il faut prélever un échantillon jusqu'à 100 cm, comment faire pour
prélever ces échantillons profonds sans contaminer cet échantillon, sachant que le carottier doit passer par surface de 0 à 50 cm. Peut-être c'est une question d'équipement. Monsieur Mpati, à vous. Oui. En fait, le carottier a un entre avec un couvercle. Maintenant, quand on a retiré les premiers 50 cm, les prochains rentrent dans un sol qui n'a pas été atteint. À ce moment-là, on ajoute une extension de 50 cm pour que ça fasse 1 mètre. Maintenant, quand on enfonce la pelle, au moment de la rotation, c'est à ce moment-là que l'encre se remplit et le couvercle se pousse sur la tourbe, la carotte de tourbe. Donc, quand on extrait le carottier, la tourbe est enfermée dans l'encre, juste la quantité qu'il faut de tourbe pour remplir l'encre. À ce moment-là, on ne peut pas s'imaginer que la nouvelle carotte qu'on vient d'extraire soit contaminée. Je pense que c'est clair. Oui, c'est bien clair. Si quelqu'un a encore des questions sur ça, n'hésitez pas. Monsieur Mpati a bien des réponses. J'aimerais bien prendre aussi la question des IRBIL. Partiellement, peut-être, Félix, tu as déjà répondu à la question quand et comment peut-on juger le niveau de perturbation de tourbières à partir des différentes activités humaines. So this is about the assessment of the peatlands. Mm-hmm. And yes, how do you define the different levels of degradation? Comment vous pouvez définir donc les différents niveaux de dégradation? Pourrait très bien la répondre à cette question. Parce que... Yeah, okay, try. Je vais essayer. Et donc, si par exemple, vous avez du drainage dans votre tourbière, et donc la végétation est déjà enlevée, et donc le niveau d'eau est baissé pendant une longue période de temps, et donc la tourbe va changer. Et donc, je vais devenir de la terre. Et donc, vous voyez la décroissance de la tourbe. Et donc, vous allez avoir moins de fibres, et visiblement. Et donc, une autre forme de plante, de reste de plante. Et donc, si vous avez une échelle, donc, vous avez appliqué donc, de 1 jusqu'à 10 en ce qui concerne la tourbière. Et donc, l'étape de dégradation. Donc, vous allez prendre le tourbe dans la main, vous allez l'écraser et donc vous allez essayer de voir combien de matière organique va sortir avec l'eau qui est compressée. Et donc vous allez voir sur une échelle de 1 à 10 combien vous avez de décroissance ou de dégradation de votre tourbe. Donc ça c'est juste une manière technique de voir. Alors maintenant si vous avez vu donc une tourbière qui est vierge, et ensuite, vous voyez, et donc dans un climat tropique où vous n'avez que quelques années de décroissance, donc vous avez par exemple la déforestation et donc l'utilisation agricole, donc vous allez voir une grande différence. Et donc c'est juste la partie technique. Et donc j'ai parlé en anglais, il y avait une question aussi, donc comment vous pouvez voir à part l'utilisation de la terre, comment vous pouvez juger le niveau de perturbation. Bon, donc je pense que l'indicateur le plus important concerne le niveau d'eau. Par exemple, si vous avez l'agriculture de subsistance et donc les gens ils n'ont pas drainé donc la terre,
Mais bon, ils ont creusé, ils ont enlevé un petit peu d'étoiles, et donc pour développer quelques petits champs, mais ils n'ont pas complètement drainé l'eau. Donc l'impact ne va pas être aussi intensif que si vous avez drainé toute la tourbière et donc avez mis des engrais dessus. Et donc l'indicateur le plus important, c'est le drainage. En d'autres mots, combien a été drainé sur la zone entière de la tourbière. Et donc, si vous réclamez toute la tourbière, donc quel est donc le niveau d'eau? Et donc, maintenant, ça concerne la forêt marécageuse. Donc, si vous enlevez la forêt, vous avez le même problème parce que la forêt va coincer et donc l'eau. Et donc, vous aurez beaucoup d'endommagements déjà au système écologique déjà. Et donc, si vous avez l'agriculture intensive, vous allez avoir le drainage intensif. Et donc, ça va amener à un impact très négatif. Et donc, ce n'est pas du tout le même impact que si vous avez juste quelques petits fermiers qui sont en train de survivre avec l'agriculture de subsistance. Et donc, vous avez l'eau qui reste plus ou moins à la surface. Merci, Alex. Et on voit qu'une dernière question pour le moment, qui est, est-ce qu'il existe déjà d'unités d'échantillonnage identifiées, comme pour l'inventaire forestier, où toutes les unités d'échantillonnage sont déjà définies. Est-ce que je peux, Monsieur Mpati, vous poser cette question? Est-ce que vous voudriez répondre? Monsieur Mpati? Oui. Ah, merci. On vous entend bien maintenant. Alors, je voulais que vous répétiez la question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il existe déjà d'unités d'échantillonnage identifiées, comme pour l'inventaire forestier, où toutes les UE sont déjà définies? Donc, j'assume unité d'échantillonnage. Est-ce que vous aviez perçu la question? Nous avons, j'ai perçu la question. Bon, tout ce que nous avons pu faire à notre niveau, c'est des unités d'échantillonnage qui étaient prédéfinies par l'inventaire forestier national. Pas spécifiquement pour les tourbières. Et ces échantillons ou ce plan d'échantillonnage était passé d'environ 25 km entre deux échantillons. Ce n'est pas pratique pour faire une cartographie. À moins qu'on redéfinisse le pas pour couvrir toute la zone. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va multiplier le nombre d'UE, peut-être par 10, par 20, pour que l'échantillonnage soit intensif. Mais pour le moment, on n'a pas en tête un plan d'échantillonnage spécifique pour les tourbières et spécifique pour faire la cartographie. Il va falloir le redéfinir en fonction des moyens qui sont disponibles, parce que le plan d'échantillonnage est plus cher en fonction de l'intensité, la densité que vous voulez donner à votre plan. Voilà un peu ce que je peux apporter comme lui. Merci beaucoup pour cette réponse. Et est-ce qu'il y a une question ouverte encore? Maria? Quand je regarde, je pense qu'on a déjà passé un peu le temps, mais si les gens peuvent toujours rester, il y a la question de Colo Laurent de la RDC. Mm-hmm. Nos forêts étant hétérogènes, cela suppose que la quantité de la tourbe varie d'un endroit à l'autre. Je veux savoir à combien d'endroits différents l'échantillon était-il prélevé pour avoir une bonne variabilité.
And this one could be, of course, also asked also from the Congo Beat team, as I see you're also online today, and thanks a lot for that. I'm copying the question now in the chat, and I will also try to do a quick translation. But maybe Alexandra, would you like to answer this first, and then we can also hand over to Monsieur Mpati, if you can give some rules of thumb or something like that. Over to you, Alexandra. I think it is a very difficult question. Justement, c'est une question difficile. Parce que c'est une zone très large et donc et vous avez des frontières où vous avez donc des changements dans l'utilisation des terres où vous êtes en train de subir la déforestation et donc il est difficile d'avoir l'accès aussi et donc de se déplacer dans certaines zones. Bah, il n'y a pas toujours la sécurité et donc c'est difficile de savoir pour moi de faire un jugement. Et donc, vous donnez des chiffres, par exemple. Et je pense qu'il est très important d'avoir certaines zones où vous avez certaines informations, mais bon, où vous avez la possibilité de tourbière, où il n'y a pas de changement. Et peut-être vous pouvez définir certaines zones tampons où vous allez pouvoir définir. Et donc, peut-être vous pouvez utiliser ces zones. Et donc, mais dans les zones où vous avez des concessions, et donc vous avez des zones, et il me semble que vous aurez beaucoup de changements dans la qualité de vos tourbières. Et donc, je pourrais aussi poser la question à M. Mpati, si vous avez quelque chose à ajouter. Vous êtes mieux placé? Oui, je vois que M. Mpati a quelque chose à dire peut-être. M. Mpati. Oui, merci pour la parole. Et moi, je pense que quand j'ai fait mon exposé, j'ai parlé de la dimension spatiale que recouvre la RDC et pour les Pitland. Maintenant, et quand on nous a fait la démonstration de l'exercice de cartographie, vous avez vu qu'on a fait le croisement de beaucoup de cartes pour avoir des aspects visuels de prédétermination de ce qu'on veut faire. Moi, je pense que la carte d'occupation des sols est très, très importante pour pouvoir discriminer les zones où on peut aller, où on ne peut pas aller. Il y a aussi cette dimension de l'accessibilité. Cette dimension d'accessibilité doit être vraiment prise en compte parce qu'il y a des zones qui peuvent vous prendre beaucoup, beaucoup de temps d'accès avant de prendre des informations. Sans vous cacher aussi la dimension de sécurité. La dimension de sécurité, d'abord, l'aspect tourbière, il faut vraiment l'expliquer auprès des... autorités locales. À travers les tourbières, ce n'est pas la matière première, mais c'est l'étude du sol. Quelquefois, ça porte à confusion. Et ça, quand les autorités ne vous ont pas sécurisé, on ne peut pas aller partout où on veut faire cette cartographie. Maintenant, il y a un autre aspect que pour évoluer dans des zones plus distantes, on doit faire attention à l'équipe. Dans l'équipe, il doit avoir des guides qui peuvent nous conduire jusqu'au point de collecte des données. Voilà un peu ce que je pouvais compléter comme
aider dans la recherche de résolution de cette crise. Merci beaucoup, Monsieur Mpati. Je pense que pour le moment, on doit finir la discussion pour le moment. Je vous remercie beaucoup, Greta Dargy. Je vois l'autre réponse qui est le plus long transit que le Congo Pit, l'équipe de Congo Pit a fait était de longueur de 20 km, mais voilà. En général, c'était entre le 6 et 10 km de longueur. Merci beaucoup, Greta. Et je pense qu'avec ça, on va maintenant finir notre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes les questions. Je vois qu'on a répondu à peu près à une trentaine de questions aujourd'hui. Une session très active. Merci beaucoup pour la participation et surtout l'expertise partagée par nos présentateurs et aussi bien que la participant. Bon, on va vous envoyer le plus vite possible l'enregistrement, aussi bien que le tâche pour pratiquer à la maison et puis plus d'informations aussi vite que possible. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.